Et salut à tous! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de Career Manager avec l'Olympique de Marseille. Donc on va pouvoir voir qu'on va affronter le Nîmes Olympique et le Stade Rennais cet épisode et voir là surtout la fin du mercato. Même si pour le moment, on est bien rempli niveau mercato, on a fait un très bon mercato avec de bonnes recrues. Donc pour l'instant, tout est impeccable dans ce début de saison. Donc on va avancer vite fait pour aller directement au pré-match. Le Bayern qui demande Luis Gustavo. Donc même s'il est assez âgé, on va dire non. Ah, il a déjà joué en plus, déjà joué Gustavo au Bayern. Mais non, je préfère quand même le garder dans l'effectif. Oh, le transfert pour Clinton Ng. 8 millions 2. On va quand même le garder, Clinton. Donc je me suis intéressé à quelques joueurs. On a de transfert pour Sanson de Atlético à 22 millions. Bien sûr que tout de suite on va refuser. Il est complètement intransférable. Intransférable. NG à 8 millions par contre. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On va essayer de négocier à 10 millions. À 10 millions on le vend. 10 millions on le vendrait. Clinton NG, on va voir ce que ça donne. Donc on va mettre 11 millions. Voilà qui est fait. C'est voilà. Ça a monté un peu. On va mettre 11 millions. Voilà. Encore. Voilà. 11 millions pour NG. Ça devrait être fait. Ça c'est pas mal. C'est pas mal pour NG. Oui, il est là. Entre 11 et on va essayer de l'avoir à 10 millions. Ouais, 10 millions ça serait bien. Ce serait pas mal. Un joueur à grand potentiel aussi, Pereira. Donc on va faire une offre à 8 millions, 8 millions 3 déjà. On va voir ce que ça donne. 11 millions, ils en veulent. Ah, c'est Mourinho, c'est vrai. On va demander à 9 millions 5 pour la deuxième offre. 11 millions 2. On va mettre une offre à 10 millions. Ce serait le maximum que je pourrais mettre, je pense, 10 millions. Ouais, 10 millions, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait au départ. Donc ça permet d'avoir un bon milieu de terrain pour le futur aussi. Pour peut-être l'après Gustavo Strootman. Voilà, par contre, il a un sacré salaire de 91. J'ai peur que si je mets en rotation, c'est que ça lui plaira pas. On va mettre important. Parce qu'il jouera quand même, il jouera pas mal. On va faire une contre-proposition à 4 ans. Ça passe. Voilà, pas de clause, c'est parfait. Accepté. Ouais, 5 ans, j'ai bien baissé son salaire, ça c'est impeccable. Modifier salaire. On va monter sa prime un petit peu. Voilà. On va mettre à 60 000. Ça peut pas et ça pourrait passer. Voilà, c'est parfait. Donc on signe Andreas Pereira. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Bon, le gros budget par contre qui est passé là, 6 millions. Alors, il reste plus que 6 millions. Donc encore une recrue. Encore une recrue. Ça fait quand même beaucoup de recrues hein, dans ce mercato. On a beaucoup de milieu de terrain quand même. On a beaucoup de milieu de terrain. Peut-être qu'on a recruté un peu trop milieu de terrain. Mais bon. Peut jouer quand même MOC, voilà, même milieu droit, voilà, c'est parfait. Comme ça pourrait même remplacer Clinton Ng, donc même pas besoin de prendre un ailier. Donc là, c'est une... bon, on a fait une pierre de coup avec Pereira, c'était pas avec exprès, mais ça fait une pierre de coup. Voilà, on vend Ng, on récupère Andreas Pereira. Je pense qu'à l'échange, on est gagnant. Donc ça fait quand même une belle équipe remplaçante quand on fera tourner en coupe. Donc voilà, c'est pas mal pour ce mercato. Déjà, on va être directement faire le match face à Nîmes. Et après, on verra par la suite ce que ça donne. Donc, on se retrouve pour la deuxième journée de Ligue 1 face à Nîmes Olympique, le derby. Le derby du Sud. Bon, ça s'est pas très bien passé pour l'OM en réalité, donc on va essayer de remédier à ça. On a super bien commencé cette saison avec victoire 4-1 à la première journée à domicile face à Toulouse. Espérons continuer sur cette série. Voilà, Pato, 4 buts sur les 3 derniers matchs. Donc, pour l'instant, très bonne recrue, très satisfaisante. Faut qu'il continue comme ça sur le même rythme et ça sera parfait pour cette année.
pour espérer accrocher le podium et donc la Ligue des Champions, qui est quand même l'objectif principal du club cette année. Et pourquoi pas essayer de concurrencer le PSG pour le titre. Et surtout bien aussi figurer en Europa League. Donc on voit la compo de Nîmes, compo assez classique, même si Denis Bouanga est pas titulaire, qui avait fait vraiment mal à Marseille. Et attention à Bossoc, qui était meilleur buteur de Ligue 2, je crois, la saison dernière. Et Briançon aussi, très bon joueur. Et Berardoni, très bon gardien également. Bobichon qui avait aussi, mais qui a mis un très beau coup franc aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en ce qui concerne la compo marseillaise, c'est le même 11, le même petit 11 de départ que match face à Toulouse. On change pas l'équipe qui gagne, hein. Même si on voit que là, Pereira est sur le banc. Pourquoi peut-être qu'il aura ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, toujours en 4-3-3, avec un gros milieu quand même. Sans son Stroupin Gustavo, il va faire du bien cette année. Une grosse force, hein. Quand même une belle force offensive. Et on a maintenant une charnière centrale qui tient vraiment la route. Voilà, communion avant le coup d'envoi de l'équipe avec le capitaine qui a bien parlé sûrement. Et allez, c'est parti. Le coup d'envoi donné par Elimois de cette deuxième journée de Ligue 1. Qui relance vers Strootman. Tout de suite pour Payet. Pas de hors-jeu pour Payet. Qui est hors-jeu avec Strootman. Strootman pour Sanson. Sanson qui crochette. La frappe de Sanson. Et l'ouverture du score. Au bout de moins de 5 minutes de jeu. Cette frappe de Morgan Sanson. Sur la première action marseillaise. On ouvre le score. Ah, c'est peut-être notre point fort cette année, les débuts de match. Ça fait sur les 3 dernières rencontres qu'on marque dans les 5 premières minutes. Cette fois-ci, c'est pas Pato, mais c'est Sanson. On voit là Strootman qui va trouver Sanson au milieu de terrain. Il crochette le défenseur et cette frappe croisée. Casse logique dans la lucarne de Bernardoni. Ça fait déjà un but à 0. Ça fait déjà un 0. Voilà, Pato qui arrive bien à esquiver ce ballon. Qui lui passe juste au-dessus de lui. Et ça fait un 0. Quel commencement dans ce match. Déjà un but à 0, 5 minutes de jeu. Morgan Sanson dans ses œuvres. Qui va écarter avec Amavi. Avec Payet. Qui va provoquer Payet sur le côté gauche. Payet, le geste technique. Qui va tenter un stand pour Pato. Et ça fait 2-0. Alexandre Pato qui continue sur sa lancée de ses premiers matchs. Ou un centre un peu à l'extérieur, on va revoir ce centre qui me paraît assez bizarre, on voit ce geste technique. Et là le centre un peu au bout de course extérieur du pied gauche. De Payet qui va trouver Pato. Et Bernardoni sur la trajectoire mais ça ne suffit pas. La tête puissante de Pato qui pulvérise Bernardoni. 20 minutes de jeu déjà 2-0 au stade des Corsières. Face à Nîmes. Donc bon, c'est tranquille ce début de match, on est bien en place. Continuez comme ça. Et c'est déjà le troisième but de Pato cette saison pour son deuxième match en Ligue 1. Gros début de saison de la part d'Alexandre Pato. Allez, mais attention à la réaction quand même. Dénis-moi. Le match est loin d'être terminé. Avec Tioub côté gauche. Diallo. Le bon stand de Diallo. Et la réduction du score. Juste après le but de Pato. On a dit attention à la réaction nîmoise. Et ce but de Bozak. On l'avait prévu, c'est l'homme fort. Du Nîmes Olympique. Et 2-1, ça relance ce match. Après 23 minutes, déjà 3 buts inscrits dans cette rencontre. On voit l'action nîmoise, c'est bien joué côté droit. Côté gauche, pardon, là ça caille. Upamecano est trop court. Et il est derrière Bozok. Et Bozok qui appuie. Ah non, c'est Gustavo qui est mal placé derrière Bozok, ouais. Et Mandanda qui ne peut rien. Ça fait donc 2-1, ça fait 2-1, donc attention à la réaction nîmoise là. Restez concentrés en cette première mi-temps avec Ressus pour Thauvin. Gustavo qui a tenté sa frappe, Gustavo. Frappe écrasée de Luis Gustavo dans les gants de Bernardoni qui relance vite. Bien pris par Amavi, ouf, c'est retourné un peu spectaculaire mais que ça profite à Marseille avec Pato pour Payet. Payet, bien fait Pato qui tente la remise pour Payet. Et le troisième but. Signé Dimitri Payet sur le modèle de passe d'Alexandre Pato. Quel talonnade. Et le capitaine olympien qui redonne 2 buts d'avance à l'OM. On va revoir cette action là. Ça part d'une retournée complètement ratée d'un joueur nîmois. Payet qui va trouver Pato et le 1-2. Magnifique entre les deux attaquants. Et cette frappe du plat du pied au premier poteau. Bernardoni qui manque de couvrir son premier poteau. Payet en profite et ça fait 3-1. Ça fait 3-1. C'est mérité dans cette première mi-temps.
Attention par contre cette fois-ci à la réaction nîmoise, pas se faire surprendre comme sur après le deuxième but. Attention quand même de Bobichon. C'est bien frappé, Malanda du point qui dégage, c'est pas terminé. Avec Thioub à l'entrée de la surface de réparation, la frappe de Thioub c'est contré par Ressus, ça cafouille encore. Allez oui la frappe et l'arrêt. L'arrêt de Mandanda. À la 45e minute, bel arrêt du portier marseillais. Mais on domine ce match et on va donner le coup d'envoi de cette seconde période. Et on se retrouve pour les meilleures actions. La bonne tête de Upamecano avec Gustavo. Thauvin. Thauvin avec Pato vers Sanson. Sanson, petite balle pour Thauvin. Thauvin le centre pour Pato. Que c'est bien joué. Et le doublé. Le doublé de Alexandre Pato. Et quelle construction. Pato qui va aller remercier Florian Thauvin. Et voilà, ça fait 4-1. La messe est dite, je pense. 3 buts d'écart. On voit l'action. Sanson. La petite balle pour Thauvin. Et le centre en retrait. C'est bien fait. Que c'est bien fait. Si les 3 de devant se trouvent déjà comme ça dès les premiers matchs, on aura une grosse force offensive. Cette année, une grosse force offensive. Donc c'est ça. C'est ça qui est bon. C'est le but de notre jeu. Marquer beaucoup de buts. Et ça fait déjà 4 buts alors pour Pato. En moins de 2 matchs. Avec 4-1 à l'extérieur face à Nîmes dans ce derby. C'est vraiment un bon match, c'est vraiment un bon match. Et Strootman qui déjà qui intercepte avec Thauvin. Qui a lancé Pato pour Sanson. Sanson, Pato pour Strootman. Strootman déjà la balle de 5-1 et voilà 5 buts à 1. 5 buts à 1. Et voilà Kevin Strootman qui marque déjà son deuxième but aussi cette année. 5-1 au bout de 53 minutes de jeu. Là, là, tête est... La tête est basse pour les Nîmois. On revoit cette action. Sanson pour Pato. Qui trouve Strootman en une touche de balle. Et cette frappe qui laisse encore aucune chance à Bernard Denis. 5 buts à 1. Le festival. Le festival dans ce match. La lourde frappe de Strootman. Qui laisse vraiment aucune chance. 5 buts à 1. On va faire les changements. Parce que le match est gagné. Donc on va pouvoir faire tourner. On va faire rentrer. On va faire rentrer Camara en mieux défensif. Pereira à la place de Sanson. Et on va faire rentrer le petit Rajdonic à la place de Payet. Donc on espère qu'on n'aura pas le blessé quand même. Donc le match continue. C'est 6 arrêts quand même. 6 arrêts pour Mandanda. Le corner. Avec Ripard. Guillaume là. Dans la surface de réparation. La frappe de Ripard. Et c'est contré. Cette frappe de Ripard. On revoit cette frappe. La frappe de Ripard qui va être contrée par Luis Gustavo. C'est bien fait la part. Upamecano qui passe à travers. Upamecano qui passe à travers. Le bon retour de Gustavo. Et Ressus qui va jouer vers Pereira. Bien joué pour Camara. Qui va trouver Thauvin côté droit. Florian Thauvin. Thauvin qui tente d'enrouler. C'est contré. Et Vigaré. Bel arrêt. Bel arrêt de Bernardoni sur cette action. Bon voilà les buts. Les deux buts de Pato. Deux frappes, deux buts. C'est parfait. Et corner tiré par Thauvin. Quand on arrive bien frappé la tête de Luis Gustavo. Au-dessus des buts, cette frappe-là. Gustavo qui a pris le brassard de capitaine. À cause de la sortie de Payet. On voit cette tête qui passe juste au-dessus des buts de Bernardoni. Thauvin. Avec Camara, c'est bien joué. Boubacar, Camara qui se trouve complètement. Il se trouve complètement le jeune Marseillais là. Sur cette frappe pied gauche qui n'est même pas contrée. Mais quelle passe de Florian Thauvin. Énorme occasion du 6ème but là. On va pas lui en vouloir, on va pas lui en vouloir. Pereira qui va pas trop de solution. Il va trouver Camara, encore avec Thauvin. Thauvin, centre-pied droit de Thauvin pour Pereira. Bien défendu. Et tout de suite c'est Sakai. Et Gustavo. Pereira. Pereira encore pour Camara. Ça c'est bien joué, Krajdonic. Et 6-1. 6 buts 1. Jeu 7 et match dans ce match. Le petit but d'Emania Radonic. Qui avait fait une très bonne préparation. On voit cette belle action Pereira, Boubacar Camara et Rajdonic. Les 3 entrants. Les 3 entrants sur cette action. Ça prouve que tout le groupe est concerné. Alors Rajdonic un peu juste. Hein, quand même un peu juste sur ce but. Ça fait 6 buts à 1. Démonstration là. Démonstration de notre puissance offensive face à Nîmes. Donc là c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Qui joue beaucoup avec Thauvin depuis sa rentrée. Pato vers Gustavo. Bien joué pour Rajdonic. Encore peut-être une possibilité de but. Rajdonic, il se trouve complètement. Complètement sur cette frappe du pied droit. Nemanja Rajdonic.
qui était quelle possibilité de mettre son petit doublé en ce match. Bardoni qui va dégager ce ballon loin devant vers Miguel. Saka qui intervient et c'est fini. C'est fini, victoire 2 buts 1 dans ce match. Belle victoire là sur les huées du stade de Nîmes. Mais nous on s'impose sur ce large, sur cette large victoire par 5 buts d'écart. Et voilà encore Pato qui marque 2 buts. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Un beau match là, bien acquis. On a dominé ce match, même si le score est assez sévère, faut le dire. Mais c'est parfait, 6 buts à 1 donc. Ouais, NG est vendu. Offre de transfert pour paye de 29 millions d'euros. Donc ça, non, on va garder quand même le capitaine. Même si ça, on peut... Ah ouais, on peut en obtenir 50 millions. Mais bon, Payet, c'est quand même... C'est Dimitri Payet. On va quand même le garder pour cette carrière. Obligé. Obligé, obligé. Donc on se rapproche du match face au Stade Rennais. Et donc nous voici de retour au Vélodrome avec ce magnifique tifo de nos supporters marseillais. On est là pour la troisième journée de Ligue 1 face au Stade Rennais. Match assez compliqué car ils ont une belle attaque aussi Rennais. Le Stade Rennais pardon, avec les Mbanyang, les Sarr. Donc ça va être intéressant de voir ce match, comment notre défense centrale va réagir. Enfin c'est quand même le premier test pour notre défense centrale là. Parce qu'avant on n'a pas eu non plus joué des grosses équipes offensives. Le Stade Rennais est plus intéressant. Donc on va pas tôt, déjà 6 buts en 3 matchs, 6 buts en 3 matchs et pour l'instant un début exceptionnel de notre nouvel attaquant. Rien à redire pour l'instant pour Alexandre Pato qui s'acclimate très bien à la ville marseillaise. Donc c'est impeccable pour nous. Pour l'instant c'est peut-être la meilleure recrue de ce mercato. Voilà, les équipes qui se saluent. On voit un peu la composition. Voilà, avec Islam Aïssar qui va être dangereux, Clément Grenier bien sûr, qui va être très dangereux, l'ancien Lyonnais. Très bon joueur de foot pour la Ligue 1. Voilà, on salue tout le monde. Impeccable. On voit Da Silva aussi, Gélin, Benjamin André. Très bon joueur, Benjamin André. Bon milieu défensif. Donc on voit la composition de l'Olympique de Marseille. C'est exactement la même que les premiers matchs. On continue sur la lancée. Avec notre fameux 4-3-3. Toujours pareil. Il est intéressant ce 4-3-3 car il y a du monde. Il y a beaucoup de monde devant, même si on prend beaucoup, beaucoup de risques. Mais on marque beaucoup de buts, donc pour l'instant c'est impeccable. Même si on n'en prend que un par match. Et on voit la composition avec Mbanyang qui est sur le banc. Avec Osako, que je connais pas du tout, l'avant-centre Osako. Donc faire attention à lui, ça va être un japonais sûrement. Je connais pas du tout ce joueur. Donc à voir ce que ça donne. Rennes qui va jouer en 4-2-3-1. Donc c'est parti pour ce match, cette troisième journée de Ligue 1 entre l'OM et le Stade Rennais. Payet là qui récupère, peut-être ici avec Thauvin, avec Pato. Pato qui va jouer avec Thauvin. Frappe du pied droit de Florian Thauvin. Bel arrêt de Koubek, superbe arrêt de Koubek. Là voilà la première occasion juste avant la mi-temps. Il y a ça, attention la dernière contre-attaque rennaise. Ou interception Thauvin. Il y a un bon coup à jouer. Thauvin avec Pato pour Sanson. Sanson, la frappe de Sanson. Et l'ouverture du score. Juste avant la mi-temps. Elle est signée Morgan Sanson. Sur la première erreur défensive du Stade Rennais qui était vraiment bien en place dans cette première période. On en profite. On en profite vraiment. Grâce à ce but de Morgan Sanson. On revoit là. Pato là qui va trouver Sanson dans l'axe. Il y a un énorme espace. Et Sanson qui va frapper, coup de pied, et ça va tromper la vigilance de Koubek. Ça fait donc 1-0 pour l'OM juste avant la mi-temps, ça fait plaisir. C'est déjà le troisième but en 3 matchs pour Morgan Sanson, qui fait aussi un très bon début de saison. Et voilà, et c'est la mi-temps, voilà, c'est la mi-temps sur cet engagement rennais, donc 1-0. On a première mi-temps poussive offensivement. On n'a pas été mis en danger par contre par ces Rennais qui sont venus pour défendre au Vélodrome. Ce qui est assez logique en vue de notre début de saison. Mais on est devant la mi-temps, c'est le principal grâce à ce but de Sanson. Continuer ainsi en seconde mi-temps et toujours être aussi solide défensivement. Ce sera la base de cette victoire de toute façon au Vélodrome. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Coup d'envoi donné par les Rennais, tout de suite l'intervention de Morgan Sanson. Sanson pourquoi pas déjà
Sanson pour Patou. Non, cette meilleure récupération de Benjamin André. Grenier, à ma vie, face à Ounou. L'automne, bien joué à Ounou. Attention au centre. Attention au centre de Ozako. Et l'égalisation. L'égalisation de Ozako. Ça se sentait venir. Oh, le chute au vélodrome du japonais Ozako. Qui va pas plaire aux supporters marseillais. 58e minute, la réduction du score, donc l'égalisation même du Stade Rennais. On voit le bon centre là de Ounou et là Upamecano qui est trop loin de Ozako. Et ça fait un partout. Ça fait un partout. Et c'est le second but d'Ozako déjà cette saison du nouvel attaquant Rennais que je ne connais absolument pas. Il va falloir vite réagir dans cette seconde mi-temps. On va directement, on va vers l'offensif avec Gustavo. Gustavo, à ma vie. À ma vie qui va tenter la frappe. Jordan, à ma vie. Oh, je l'ai vu dedans. Je l'ai vu dedans. Cette frappe de Jordan à ma vie. Oh, qui passe qu'à quelques centimètres du poteau de Koubek. On va faire la sortie. Rentrée de Pereira à la place de Kevin Strootman pour apporter un peu plus de peau offensivement. Attention parce qu'à ma vie, Léo, ils sont où les Marseillais là? Bien joué Sanson. Avec Pato pour qui remet à Sanson. Sanson qui tente l'enrouler. L'envolé de Koubek. Superbe enroulé de Koubek. Upamecano. De l'autre côté vers Amavi. Il voit l'appel de Ocampos. Frais ballon pour Lucas Ocampos. Il est passé Ocampos. Il est passé pour Payet. Qui peut frapper. Payet, c'est pas cadré. C'est pas cadré la frappe du capitaine Dimitri Payet. On voit la frappe. Qui va passer à côté de la lucarne de Koubek. Quelle occasion, quelle occasion. Côté droit avec Sakai. Qui préfère jouer en l'axe avec Pato. L'appel de Payet. L'appel de Payet. Pour Pereira. La balle de ma Pereira qui se trouve. Andreas Pereira qui se trouve. Mais quelle énorme occasion. Quelle énorme occasion. Le caviar de Dimitri Payet. Et Pereira qui se trouve complètement sur cette frappe du pied gauche. Son mauvais pied. Quelle énorme occasion. Quelle énorme occasion de la part de Pereira. C'était peut-être la balle de match à un quart d'heure de la fin. Avec Nyang. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Les premiers points perdus. Et en plus à domicile, mauvais résultat. Mauvais résultat, ce score de 1 but partout. Face au Stade Rennais. Ah, que c'est dommage. Que c'est dommage. On a eu largement les occasions dans cette deuxième période. Largement les occasions dans cette deuxième période quand même. Voilà, on l'a largement dominé, ils ont fait qu'un seul tir cadré. Et elle a été au fond pour eux. Peut-être qu'on va perdre notre première place. Encore un autre transfert de 20 millions là pour eux. Pour Luis Gustavo de Manchester City. Donc pour l'instant, déjà cette année on va le garder. On verra juste en fin d'année ce que ça donne par contre. Donc on va voir s'il y a peut-être des nouveaux profils intéressants. Donc on se retrouve donc pour la dernière journée du Mercato. Pour finir cette vidéo tranquillement. On voit une offre de prêt pour Boubacar Camara. Et pourquoi pas West Ham. Ouais non, West Ham, je pense pas qu'il jouera assez. Donc on va rejeter. On a aussi une offre de prêt pour Kaita Charge. J'ai eu, mais on va refuser aussi. On va regarder cet effectif pour la première partie de saison. Je pense que ça va être assez intéressant. Donc ça va être assez... Je pense qu'on a quand même une bonne effectif. On a un effectif complet avec une équipe B qui est... assez intéressante. Donc on peut voir par contre les différents recrues qu'il y a eu dans ce mercato. Donc voilà, plus de 700 millions de dépensés. On va voir les différences qui s'est passé en Ligue 1 avec Monaco qui a acheté Valero, Benteke, Alexander Arnold, mais qui a perdu Falcao, Sidibé, Golovin qui a même pas fait café quelques matchs. On voit par contre que Saint-Etienne, 22 millions d'euros qu'ils ont dépensé dans ce mercato, c'est assez conséquent pour Saint-Etienne. Même Amiens, 7 millions d'euros dépensés. On voit le SCO qui a sûrement eu une concou en prêt, je pense. C'est une très bonne recrue pour le SCO. Dijon, ça n'a pas trop bougé. Ils ont perdu que Thuram côté Guingamp, qui est arrivé chez nous, bien sûr. Côté Nantes, Jones, peut-être Jones de Manchester, ce qui est assez intéressant. Même s'ils ont perdu Lima aussi. À Bordeaux, ils ont perdu Camano, qui est un très bon joueur. Ok. Le LOSC, à part Balotouré qui est venu chez nous, ils n'ont pas eu beaucoup de départs. Que des arrivées. Côté de Montpellier, 11 millions de dépensés. Ok.
À Nîmes, déjà 9 millions de dépensés, ce qui est beaucoup, c'est beaucoup quand même pour Nîmes. À Nice, par contre, 63 millions de ventes. On voit que Sarr est parti, Balotelli, Cardinal. Beaucoup, par contre, Mitrovic est arrivé. Ça, c'est un très bon joueur, Mitrovic. 85 millions, par contre, pour Lyon de se renforcer. On voit qu'ils ont vendu Cornet pour 11 millions. Mais qu'ils ont recruté Roro, Alan, Zapata, Mustafi. Ils ont solidifié le point faible de Lyon. De toute façon, c'était la défense. Et ils l'ont très bien renforcé. Et on voit par contre un truc très intéressant pour nous. C'est qu'on a quasiment le même nombre de dépenses que d'arrivées. Donc en gros, c'est comme si on avait fait presque un mercato gratuitement. Et on s'est plutôt renforcé en ce mercato. On a vendu, voilà, les indésirables, les Rolando, Pelé, Ubokan, vendu Rami pour beaucoup de millions d'euros. Et on s'est renforcé. Bon, on voit par contre que le PSG a beaucoup vendu, qui ont perdu Di Maria, Rabiot, qui est des bons joueurs. Ils ont acheté Kramaric, Wijnaldum et Rafinha pour 115 millions. C'est vraiment des bons joueurs, mais c'est cher quand même. 12 millions dépensés par Toulouse, par Strasbourg et Boyata, qui doit être sûrement le défenseur belge. Donc une bonne recrue aussi pour Strasbourg. Stamer de Caen, ça n'a pas beaucoup bougé, juste quelques arrivées. Correa, je pense pas que ça soit Angel Correa non plus. 15 millions dépensés par le Stade Rennais, qu'on vient de faire notre premier match nul. Voilà, ils ont acheté Osako. L'automne aussi, qu'on a vu leur arrière-droit, qui paraissait intéressant. 8 millions dépensés pour le Stade de Reims. Toulouse, 12 millions. On a joué Madison, je m'en rappelle, on a joué Madison. Et voilà, on a fait le tour. Donc c'est la fin de ce mercato de Ligue 1. Mercato était terminé, donc on verra bien ce que ça donnera au mercato d'hiver. On aura 15 millions à dépenser au mercato d'hiver, même si on n'a pas de salaire, donc on aura peut-être une dizaine de millions à dépenser au mercato d'hiver pour voir ce qui va pas dans cette première partie de saison. On verra bien ce que ça donne. Bon, ben, je crois que le jeu a bugué en fin de mercato, c'est dommage. Mais bon, je lancerai la dernière sauvegarde, on aura quand même les deux matchs. Il n'y aura rien qui aura changé. Donc si l'épisode vous a plu, laissez un petit pouce bleu en bas de la vidéo, pardon, et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos sur la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Je vous dis salut et à la prochaine.